C'est humain, c'est vrai. C'était un très bon film, moi j'ai beaucoup pleuré. On a tous été très émus. C'est un film où on peut tous se retrouver, je crois. On a des émotions nature, pure, sincère. Les enfants étaient très bons. J'étais époustouflée. Le fait de filmer les enfants de façon aussi naturelle et fluide. Le petit Gabriel, c'est une perle. Voilà, waouh, il dégage des trucs, ce gamin. Oui, il vous touche. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. Mais je vais t'appeler comment ? Je veux t'appeler maman. Félix Poiti, qui est très bon aussi. Les trois adultes principaux, on voit passer dans leurs yeux, dans leur attitude, dans leur mouvement, tout ce qui peut les traverser, et je trouve ça très très fort. Et Mélanie Thierry est juste une actrice exceptionnelle. Et je trouvais qu'elle irradiait vraiment par moments. Le personnage de la mère est vraiment bouleversant. Oui. C'était impressionnant de voir à quel point elle se mettait du coup dans son métier. J'ai trouvé ça intéressant. C'est un nouveau regard sur les familles d'accueil. Il dépasse un petit peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir justement. Il n'y a pas de parti pris avec un bon, un méchant. C'est cet aspect sincère, authentique et vrai qui me touche. Sur un sujet grave, ça arrive à être léger. C'est un film, pas sur le manque d'amour, mais effectivement, on sent que ça déborde d'amour. C'est vraiment les enfants qui nous apprennent à être une vraie famille.